L'objectif de Serre Chevalier, c'est en même temps de rationaliser le nombre de remontées mécaniques, de favoriser le ski sur la totalité des quatre sites, puisque Serre Chevalier part de Briançon jusqu'à Monétier. L'objectif, c'est de favoriser la transversalité d'un site à l'autre. Donc ce télésiège s'inscrit complètement dans ce cadre-là, puisque aujourd'hui, depuis le sommet du col du Prorel, il suffit de prendre deux appareils pour lier Briançon à Monétier. Et pour les gens qui skient depuis le bas du site de Villeneuve, eh bien c'est pareil, avec deux appareils, on peut basculer directement sur Monétier. Donc le but recherché est pleinement atteint. Un nouveau télésiège des Vallons, c'est super. Ça permet d'ouvrir pas mal sur le hors-piste, donc c'est cool. Voilà, comme ça je peux y aller avec mes élèves. Il y a eu quelques grandes phases, comme sur tous les chantiers. C'est vrai que la partie génie civil, coulage des massifs béton, n'est pas très spectaculaire. Par contre, après la partie levage de la ligne, donc, qui a été réalisée le 18 septembre, si mes souvenirs sont exacts, avec l'aide d'un gros hélicoptère. Donc en une demi-journée, pratiquement, on a levé la totalité de la ligne. Donc on a pour mission de monter le télésiège des Vallons. Donc on va y porter demain tous les fûts là qu'on voit. C'est-à-dire les premières rotations, ça va être les pylônes. C'est-à-dire qu'ils sont en un élément, deux éléments, voire trois éléments. Ensuite vient dessus la tête qui est équipée. Donc tous les poids ont été conditionnés à 3 tonnes, pesés précisément, pour arriver à passer au niveau de l'altitude et de la charge que peut prendre l'hélicoptère. C'est un Super Puma de type 332C1 qui est à peu près un hélicoptère militaire mais qui a été remanié pour le civil. Donc on lui a enlevé environ 1,50 m de fuselage pour l'alléger. Et cette machine pèse à vide 4500 kg et peut prendre une charge à la hauteur de 2500 m d'environ 3200 kg. Préparé, donc ça va très vite, on est content et on met moins de 6 minutes à la rotation.
la phase de déroulage du câble qui se fait en plusieurs fois. D'abord on déroule ce qu'on appelle une petite cordeline. La particularité c'est que cette phase de chantier s'est réalisée à l'aide d'un cheval, donc ça s'inscrit bien dans ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire préserver la nature. On est en train de tirer la câblette qui va servir à tirer le gros câble. C'est une câblette de diamètre 23 qui fait 2 kg du mètre. En sachant qu'à dos d'homme on a du mal et qu'on ne peut pas accéder autrement qu'avec un animal, on a décidé donc de tirer au cheval pour éviter de faciliter, on va dire, la mise en place de la cordeline pour le tirage du gros câble. Et là on exécute actuellement une chaussette de tirage. Donc c'est un petit... On a relié une corde à une câblette et de la câblette au câble de 23. On descend le tout sur la ligne, sur un brin. On a descendu un premier brin de câble qui était sur une bobine. On va descendre l'autre brin de câble sur l'autre bobine. Et ensuite, on exécutera une épissure au sommet de liaison de ces deux cordelines. Ensuite, on mettra un câble en aval et on tirera avec la cordeline le nouveau câble. Elle s'appelle Jouvence, c'est une jument comtoise de 13 ans et qui sert habituellement au débardage. Et là, on fait une première, on tire le câble. Voilà, c'est une première. Elle pèse 900 kg et elle tire, moi je parle en termes de bois, quoi, 1 mètre cube de bois au plat. Alors ça fait à peu près une tonne qui frotte par terre, plus le frottement, quoi. Là, c'est un cas bien particulier. On a un canyon à passer. Le cheval, fatalement, il passe pas. Donc, on a tiré plusieurs loves, à peu près 200 mètres de câble, de façon à passer le canyon pour faire la reprise avec le cheval après le canyon. Donc, voilà, le cheval, c'est très pratique. Ça tire 900 kg.
ça fait pas de bruit, c'est écologique. Ça avance beaucoup plus vite que les hommes. Pour donner un ordre d'idée, hier on était 8 à tirer sur le câble et on est allé deux fois moins vite. Donc là le cheval est tout seul à tirer et ça va deux fois plus vite qu'hier. C'est magnifique. Voilà. Aujourd'hui, réaliser l'opération, enfin c'est sur deux jours, de monter, de faire monter le câble, de faire faire complètement le tour. On va le faire arriver dans la poulie retour, là, qui est en dessous, et on va la retirer, on va la refaire redescendre. Pour le ramener, après le câble va arriver, le câble porteur va arriver à la gare retour, en G1, et on va le remonter entre le 7 et le 8 pour pouvoir le moufler, le poser à terre, reprendre une tension et faire l'épissure. En volume de temps sur un appareil comme ça qui fait on va dire 4000 mètres de câble, on va dire il y a une semaine pour le déroulage de la cordeline et la mise en place du treuil. Là on est assez compliqué au niveau du profil là, parce qu'on a des accès qui ne sont pas faciles. Et on va dire allez, entre le moment où on déroule et l'épissure finale, on va compter deux semaines. Comme vous pouvez le constater, donc l'appareil qui est derrière nous est en cours de finition. La semaine prochaine, on aura ce qu'on appelle la réception, c'est-à-dire les essais en charge. Et il sera réceptionné par les services de l'État, par le BIRM, pour pouvoir exploiter derrière. Donc, compte tenu du bon enneigement qu'on a en altitude, à cette époque-ci de l'année, toutes les équipes de damage sont en cours de préparation du domaine. Les pisteurs installent des sécurités et on est complètement prêt pour les vacances de Noël. Il n'y a pas de problème. Essayer de marier tous les moyens pour finalement arriver à atteindre un objectif, c'est aussi intéressant. Après, ben effectivement, ce chantier-là, il arrive au sommet du télésiège de la Cucumelle, qui a été construit en 84, avec des moyens qui étaient complètement différents de ceux par rapport à aujourd'hui. Voilà, c'est une page de l'histoire Thiers Chevalier qui est en train de se tourner.